Ce mercredi 7 juillet, Britney Spears a publié une nouvelle photo sur son compte Instagram, se dévoilant de dos et nu dans sa salle de bain. Mais le 23 juin dernier était une date historique pour Britney Spears et pour les fans de la chanteuse. Alors qu'elle est sous tutelle depuis 2008, la chanteuse s'est adressée au tribunal de Los Angeles pour la première fois, dénonçant entre autres l'emprise de son père, « Je veux juste reprendre le contrôle de ma vie. Ça fait 13 ans et ça suffit », avait-elle commencé affirmant également ne pas être heureuse. Évoquant son controversé géniteur, elle avait lâché, désespérée, « Il aimait avoir le contrôle pour faire du mal à sa propre fille. À 100 000 %. Je ne dors pas, je suis tellement en colère, et je suis déprimée. Mon père et toutes les personnes en charge de cette tutelle, y compris mon management, devraient être en prison. » Si la juge Brenda Penny, en charge de l'affaire, a rejeté la demande de la chanteuse d'écarter Jamie Spears de la tutelle, elle a toutefois informé la princesse de la pop qu'elle pouvait en demander la fin. Un nouvel espoir pour l'interprète de Toxic et pour les nombreux fans du mouvement Free Britney. Mais voilà que le soulagement a été pour eux de courte durée. En ce mercredi 7 juillet, sur le compte Instagram officiel de la compagne de Sam Asghari a été publié un cliché qui a séduit de très nombreux internautes mais qui a inquiété le noyau dur de fans. On y voit ce qui pourrait être la chanteuse de dos, nue, prête à plonger dans son bain. Cheveux blonds relevés sur la nuque. Un cliché ultra sexy mais qui pose un souci majeur à ses fans, où sont les tatouages de Bri-Bri? Free Britney, ce n'est pas Britney, on sait que c'est pas toi, où est le tatouage sur ton cou? Qu'est-il arrivé à ton tatouage de fée, où sont les tatouages, comment ça pourrait être elle alors que ses tatouages sont manquants? Ont-ils été nombreux à s'alarmer devant la publication inexplicablement accompagnée de trois émojis chaussons de danse? Qui gère ce compte, si c'est elle, a-t-elle seulement consenti à cette photo? Se sont interrogés d'autres internautes. Pour beaucoup néanmoins, pas de doute. Il s'agit bien de la maman de Jaden et Sean Preston, mais la photo aurait quelques années. Qui expliquerait l'absence des tatouages? Ou alors, hypothèse à ne pas négliger. Britney aurait abusé de Photoshop. Si l'ex de Kevin Federline pensait faire plaisir à ses admirateurs, c'est un pari à moitié gagné.